On a aujourd'hui un nouveau chapitre de ce Giro s'ouvre. À quoi on s'attend sur les Zancolan? Ouais, j'espère, c'est sûr, une belle montée. Ça va être une ambiance vraiment spéciale. Je pense que c'est un des plus beaux cols européens. Donc, à d'y être, à de le découvrir et voir ce que ça donne. Vous avez dit il y a deux jours, je crois, que vous aviez à reprendre du temps. Est-ce que c'est le bon terrain aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt plus tard? Bien sûr. C'est les gens qui vont parler de toute façon. Donc là, il n'y a pas trop de tactique dans le Zancolan. C'est vrai que ça va être difficile avant, surtout quand on arrive à 3 km, ça va être chacun pour soi, chacun avec sa souffrance, donc j'espère juste avoir de bonnes jambes. Ces 3 derniers kilomètres, c'est vraiment le money time, l'ascension est longue, il y a moyen de faire quelque chose autre part avant. Ouais, ça va être compliqué, je pense que ça va vraiment, 3 derniers kilomètres, c'est quasiment un quart d'heure de montée, donc il faut bien gérer son effort et c'est là que les différences vont se faire. Merci Romain.